une fin d'année bien remplie pour Zazie. Alors que l'auteur-compositrice a retrouvé son fauteuil de coach pour la 12e saison de The Voice actuellement en préparation, elle enchaîne, contre son gré, les entretiens dans les médias pour présenter son nouvel album, LP, disponible depuis le 2 décembre. La chanteuse de 58 ans s'est notamment confiée à Télé 7 jours sur la signification des titres qui composent ses 11e opus. Avec cet album, je veux mettre un peu de lumière et d'humour dans la vie des gens, tout en décrivant le monde. La gravité, on peut l'éviter ou encore humanité, lève-toi, les paroles relevées par nos confrères dans cette nouvelle fournée de titres ne se limitent pourtant pas à de la description, si bien qu'ils l'ont demandé à la chanteuse si elle se lançait en politique. Mon Dieu, non, au secours, c'est alors offusquer l'artiste. J'ai l'impression que la politique est devenue une sorte de mascarade, a-t-elle ajouté avant de préciser qu'elle n'accordait désormais sa confiance qu'à certains candidats écolos car ces derniers s'intéressent encore aux problèmes des gens. Je n'ai aucune envie de faire de la politique, a-t-elle conclu. Photo, The Voice. Les plus beaux looks de Zazie au fil des saisons. Des agacements, quel sens donner alors aux paroles parfois satiriques de Zazie ? Impossible d'ignorer les messages percutants derrière quelques-uns de ses plus grands tubes tels que Rue de la Paix ou Je suis un homme. La chanteuse a expliqué à nos confrères que la musique lui permet simplement d'exprimer, et agacement. Je n'aime pas trop la tête de ce monde, a-t-elle conclu. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Koadik Guirec.